Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle fois autour d'un auteur, d'un livre, d'un texte. Mais aujourd'hui, petite variante, il s'agit bien d'un livre, mais d'un recueil, de poésie. Donc, nous allons nous rencontrer autour de plusieurs auteurs et de plusieurs textes. Ce livre, ce recueil, a pour titre « Correspondance virale ». C'est un recueil collectif de mai 2020 qui est édité par les éditions Folasile. Je vais vous dire, pour commencer, l'éditorial. Éditorial de Marie-Philippe Deloche, présidente du Folasile. Depuis la mi-mars en France, une épidémie de coronavirus nous a imposé à tous et toutes un confinement. Restez chez vous, en mot d'ordre. Et tout s'est brutalement arrêté. Le printemps des poètes a journé, et nous, poètes, dans un drôle de printemps. Alors le Folasile a lancé un autre mot d'ordre à associer au premier. Ouvrons nos portes et nos verrous de l'intérieur, et laissons circuler le souffle de la poésie en ligne entre nous. Soyons donc ubéreux et alouis de mots. Nous avons donc agrandi nos jours, nos espaces réduits et nos temps qui s'allongeaient par un recueil de conversations virales. Se sont mis à circuler entre nous des poèmes sur le virus, sur l'effet de confinement, sur nos évasions magnifiques, sur nos tristesses. Ce recueil s'est achevé alors que le confinement n'était pas levé, mais il rassemblait déjà les poèmes de 60 auteurs, donc 104 pages. Un deuxième recueil s'est mis en route, mais ça, c'est une autre histoire. Et dans ces temps particuliers, le suspens et le feuilleton sont nécessaires à notre survie. Ne vous protégez donc pas des mots, lecteurs. Ôtez vos masques, ouvrez vos livres sans aucun geste barrière. C'est un voyage sans frontières que nous vous offrons. De Jean-Paul Gavard Perret. Aux emportements du vide se rêve un trône de rue revêtu de gants, se laisser à la caresse de sa solitude, sans sujet à être.
sans apparence à conjuguer. Le morcellement se crève. Il permet de respirer l'autre, celles et ceux qui vont pour nous, sans chien pour excuse. De Marie-Philippe Deloche. Nous sommes un peu arrêtés dans l'élan, mais le fil tiendra, passera sur le pont viral. Si je ne t'embrasse plus, comment seras-tu l'amour? Quand on s'écrit, est-ce l'amour? Est-ce le transfert poétique, l'état viral? Mes vers se désarticulent, perdent leur rime et leur maître. Le désir n'a ni âge, ni genre, ni bonne santé, ni escalier. Il est là. Il n'y a plus de wick ni de end, un long ruban rose de temps, sans griffure ni tourment. Tout semble s'orchestrer tout seul, main noire d'un géant masqué, hasard d'idiot. S'écoulent peu à peu nos provisions, nos prévisions aussi, hélas. C'est un ménage radical, vertical. Anne L. Télétravail, travail, travail. Télétravail, travail, travail. Télépartage, tâche, tâche. Télépartage, tâche, tâche. Téléconférence, féroce, féroce. Téléconférence, féroce, féroce. Téléfoot, foot, foot, téléfoot, foot, foot. Téléobiz, biz, biz. Téléobiz, biz, biz. Télétique, tic, tic, télétique, tic, tic. Télématique, mastique, mastique, télématique, mastique, mastique. Télémac, itac, itac. Télémac, itac, itac, tic, tac, tic, tac, tic. Tac, tic, tac, boum. J'ai aussi eu l'honneur d'offrir à ce recueil un de mes textes, que je vais vous dire. Sortir lentement de l'ombre virale, quand l'horizon peu à peu lève sa paupière aux tranchantes écailles. Le venin a rendu son dernier souffle dans le chant lointain et monocordal des bédouins. La gazelle inscrit sur le sable les premiers traits du monde et offre son encolure au baiser du diable. Quelques gouttes de sang chaud sur le roc de l'effroi. La brise dissipe la trace de la trace pour un texte nouveau. Ça s'écrit là, dans l'effacement, où les mots n'ont encore rien dit. Jacques Coda. J'ai l'air de me cacher
parce que j'ai glissé ma tête sous la vie. Je n'y suis pour personne parce que le virus fait loi. Rien ne bouge parce que il est déjà trop tard pour vieillir. C'est fini pour de bon parce que ça va finir pour de mal. Je vous remercie.